suis très heureux d'accueillir Charles Dantzig parce que c'est un homme qui sait tout faire, qui est poète, essayiste, romancier, homme de radio, éditeur. La liste est longue et j'en oublie. J'ai un détail qui m'a beaucoup plu dans ce que j'ai vu de vous, c'est votre playlist Maria Callas. J'ai vu Tosca apparaître quand j'ai cherché des choses sur vous. Alors c'est peut-être un détail, mais c'est très fort et c'est peut-être ce trait d'union qui fait que vous êtes là aussi aujourd'hui. Et puis, je vais vous souhaiter beaucoup de plaisir à parler de Proust, j'imagine, parce que Proust est un des auteurs qui n'est pas le plus rattaché visiblement à la musique, mais cette fluidité, ces ressacs, cette attirance pour l'ineffable, quelquefois, est très palpable. Quand vous parlez de Proust-Océan, j'ai l'impression déjà d'entendre parler de musique, d'englobement, de ces fluidités qui sont si propres à l'art des sons. Je vous souhaite une bonne écoute et merci d'être là à l'Opéra aujourd'hui. Merci pour votre accueil. Merci à vous d'être venus si nombreux et d'être sans doute aussi derrière votre écran à suivre en direct ce moment un peu exceptionnel dans les salons du Grand Théâtre. Alors, la France n'aimant rien tant que les cérémonies, les célébrations et les anniversaires, elle a tenté d'honorer avec ferveur la figure de son grand écrivain Marcel Proust, l'année du centenaire de sa mort. Voilà. Et au milieu du flot de publications, hein, il y a eu des dizaines, il en est une qu'on attendait, celle de celui qui depuis un quart de siècle, hein, on peut dire ça, peut-être plus d'un quart de siècle, se penche sur son homme illustre dont il parle avec une familiarité qui n'est jamais possessive. J'ai amené avec moi le grand livre de Proust que j'ai exhumé de ma bibliothèque et qui est paru en 96 et qui était une des premières manifestations de l'attachement de Charles Dantzig à Marcel Proust. Alors, les auditeurs de France Culture qui parviennent encore à y entendre parler un peu de littérature, hein, même si ça devient compliqué, ont eu la chance cette année de pouvoir écouter, en 2022, une série d'émissions orchestrées brillamment par Charles Dantzig, une façon de nous remettre à l'oreille ce grand écrivain. Voilà. Et on lui en est reconnaissant. Mais ce qui nous vaut aujourd'hui la présence de Charles Dantzig dans ces lieux, c'est la publication d'un nouveau livre, un livre qu'on attendait depuis longtemps, en fait, un livre sur Marcel, un opus très singulier qu'on parcourt avec excitation, avec fébrilité, avec amusement, parfois avec un peu ébahissement, tant on est impressionné par la capacité de l'auteur à manifester qu'il connaît tout de Marcel Proust. Voilà. Alors on se sent un peu petit garçon quand on lit ça, on se dit mais quelle légitimité peut-on avoir ? Et puis malgré tout, M. Mola s'est dit que j'étais peut-être le bon candidat, peut-être un peu naïf pour interroger Charles Dantzig en comptant sur sa compréhension, voilà, parce que je n'ai même pas lu une fois en entier la recherche. Voilà. Je préfère commencer par cet aveu. Voilà. Le bonheur vous attend. Voilà, je le repousse toujours, et maintenant, le seul horizon que j'ai, c'est la retraite. Hein, puisque, voilà. Mais juste petite précision, avant de rentrer chez Mola, avant d'être embauché chez Mola, M. Mola m'a dit, prenez un mois de vacances, hein, c'est véridique, et pendant ce mois de vacances, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé la recherche du temps perdu. Voilà. Je vous interromps un instant, pardon, oui. Mais Jean-Paul Lan, qui était éditeur chez Gallimard, disait, pour lire la recherche du temps perdu, il faut une tuberculose. Oui, voilà. Eh bien, écoutez, on va essayer de ne pas trop tousser aujourd'hui. Voilà. Une bonne phtisie, c'est vrai, mais bon, c'est une maladie qui a disparu. Voilà. Alors, le livre que vous nous proposez aujourd'hui est un livre qui a un titre plutôt étonnant, qui s'appelle Proust Océan, et qui n'a malgré tout aucun rapport avec les stations balnéaires qui hantent la côte atlantique. Hein. Il n'est point question ni de la Canoë Océan, ni de Biscarros, mais d'une station imaginaire qui serait Proust Océan. Alors, Charles Dantzig, un grand merci d'avoir accepté l'invitation conjointe de la librairie et du Grand Théâtre pour évoquer votre livre. Alors, c'est un livre dans lequel on se sent parfois un peu démuni parce qu'il y a beaucoup de citations, beaucoup de références, des jugements, et vous acceptez de dire « je ». C'est un livre dans lequel le jeu est présent. Hein, ce n'est pas un livre d'universitaire. Vous égratignez peu les universitaires, mais on sent malgré tout qu'ils n'ont pas fait que du bien à Marcel Proust. Alors, pour vous présenter, vous êtes écrivain et éditeur, ce qui n'est plus si fréquent. Vous parliez de Pollan. Il y a une époque, il y a eu des grands écrivains et éditeurs. Vous en faites partie. Et vous êtes un écrivain plutôt polymorphe, puisque vous êtes poète, vous êtes essayiste, vous êtes romancier, même s'il y a longtemps qu'on n'a pas eu de roman. Et vous êtes aussi traducteur, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de cordes à votre arc. Voilà. Et puis chez Grasset, où vous êtes éditeur, et je rappelle que Grasset est le premier éditeur de Marcel Proust, quand même, il faut le rappeler, même si Gallimard a tout fait pour le faire oublier, vous dirigez la collection des Cahiers Rouges, à qui vous avez très honnêtement redonné de belles couleurs. Le rouge commençait à ternir avant votre arrivée. Voilà. Alors,
Au départ de votre idée, de votre livre, il y a une idée un peu surprenante d'envisager la recherche et son auteur d'un point de vue qu'on pourrait appeler aquatique. Voilà. Proust Océan, ce n'est pas seulement un titre, c'est aussi une sorte de programme. Pour vous, Proust serait une sorte de poulpe, donc un étrange animal peu connu, qui, vous le dites parfois, tricote des filaments d'inconscient. Et la recherche serait une mer profonde, dont les phrases seraient en quelque sorte les vagues. Alors, au milieu de tout ce flot de livres sur Marcel Proust, comment vous est venue l'idée, vous, d'un Proust qui serait une sorte de personnage de Jules Verne, de 20 milieux sous les mots? Est-ce d'abord parce que Proust, on doit y plonger? Si vous me permettez, je vais d'abord remercier monsieur le directeur de l'Opéra qui est des gentils mots qu'il a dit, Denis Mola qui je crois est là et qui m'accueille si gentiment pour la première fois ici, ce qui m'honore beaucoup, sinon chez lui dans sa librairie depuis si longtemps que je crois que je peux dire que c'est un ami, et je crois que les Bordelais ont la chance d'avoir Mola. Et nous, au-delà de Denis, nous avons la chance d'avoir Marcel Proust. Alors, ce que je voudrais signaler, si je peux le dire, parmi la somme considérable de livres qui ont été publiés sur Proust, en particulier cette année, ces livres sont exclusivement des livres biographiques et de sujets, c'est-à-dire on a Proust et la musique, Proust et les femmes, Proust et les juifs, Proust et les beaux-arts, Proust et ci, Proust et ça, et le mien est, je crois, et j'en suis même sûr, le seul qui parle de littérature, ce qui n'est pas si néfaste après tout, puisqu'on a affaire à un écrivain. Et cette idée de l'océan m'est venue en écrivant le livre. D'abord, je me suis... Enfin, c'est un livre que j'ai lu bien des fois. La première fois, je l'ai lu à l'âge de 17 ans, pas très loin. Moi, j'étais en fac à Toulouse et en première année. Je crois que j'ai fait du droit pour ne rien faire et pour lire, parce que c'était des études où on pouvait ne rien faire à l'époque. Et en première année, au lieu de travailler, j'ai lu La recherche du temps perdu. Donc, j'avais déjà été frappé par cet élément très très singulier que nous remarquons tous de la façon d'écrire de Proust. Et c'est ça qui distingue toujours les grands écrivains, c'est-à-dire qu'ils ont une façon d'écrire qui ne ressemble à personne d'autre. C'est pas les sujets, parce qu'au fond, les sujets de Marcel Proust, qu'est-ce que c'est? C'est la maladie, c'est la jalousie, c'est l'amour, c'est un peu les sujets de tout le monde, mais on y reviendra tout à l'heure. Oui, voilà. Et c'est en écrivant ce livre, et d'ailleurs, avant d'écrire ce livre, j'ai relu La recherche du temps perdu à l'envers, du premier au dernier volume, pour voir si je découvrais des choses nouvelles, et en fait, non, parce que Marcel Proust est plus malin que tout le monde et on n'a pas besoin de tenter de le piéger. Sauf que j'ai mieux compris une chose, et je ne m'éloigne pas de l'océan avec ça, c'est qu'en le lisant à l'envers, on voit des résolutions de choses dans La recherche du temps perdu. Parce que La recherche du temps perdu, c'est un roman d'espionnage et un roman d'enquête, en réalité. Le narrateur est un grand espion, d'ailleurs il regarde beaucoup par les trous de serrure et par où il ne devrait pas regarder, et il sème des indices au fur et à mesure du livre. Proust étant un pervers et ayant beaucoup de temps à perdre, il a dit lui-même, il n'y a pas dans La recherche du temps perdu, je dirais d'ailleurs, par parenthèse, le titre tout au long, parce que je ne pense pas que les écrivains se sont tués à trouver un titre pour qu'on le raccourcisse comme si on avait gardé les cochons avec eux. Donc, dans La recherche du temps perdu, dit-il, il n'y a pas un personnage qui ne boutonne un par-dessus sans raison. Et c'est vrai. Sauf que Proust étant Proust, il prend son temps, il aime bien nous torturer, et que le personnage boutonne son par-dessus à la page 20 du premier volume, et on a la raison de ce boutonnage au quatrième volume, à la page 400. Donc, ça prend du temps. Et en le lisant à l'envers, on se rend compte de ça, et on se rend compte justement le côté souterrain et subaquatique de Proust qui a de longs filaments comme ça qui se résolvent petit à petit. La chose la plus évidente dans cette idée d'océan, qui encore une fois m'est venue en l'écrivant, c'est Proust lui-même d'ailleurs, ou le narrateur, ça on en reparlera sûrement, c'est que le narrateur pour moi n'est pas Proust, mais il utilise lui-même beaucoup de comparaisons aquatiques dans son livre. Ça fait même partie du système de comparaison le plus nombreux.
très, très, très souvent. Par exemple, un personnage très important de La Recherche du Temps Perdu, qui est Robert de Saint-Loup. Robert de Saint-Loup a des yeux de mer. Oriane de Guermantes est comparée à une sirène. Une robe de sa cousine, la princesse de Guermantes, est elle-même comparée au bleu de la mer. D'ailleurs, je pense qu'une des comparaisons aquatiques les plus connues de La Recherche du Temps Perdu, c'est Oriane de Guermantes à l'opéra. Elle va à l'opéra, et là, il y a un passage sublime de 3 ou 4 pages où le narrateur nous décrit Oriane dans sa loge avec sa robe sublime, dont les perles brodées sur la robe rappellent des gouttes d'eau, etc. Donc tout ça est très, très aquatique, et je pense que l'idée est probablement venue à Proust du simple fait de l'appellation de l'endroit où se trouve Oriane à l'opéra. Elle se trouve dans une baignoire. Et je pense qu'il est tout à fait possible que voilà, ça ait éveillé cette idée aquatique. Mais je ne veux pas dire par là du tout que l'idée aquatique est un truc chez Proust. C'est profondément comme il est. C'est profondément comme il est. D'abord, nous le voyons aussi à la forme de ses phrases. La forme de ses phrases, longue, sinueuse, vraiment, vraiment aquatique, très, très longue, comme l'eau qui coule, comme ça. Ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, que toutes les phrases soient longues et interminables, comme ceux qui ne l'ont pas lu le pensent. Il y a parfois des phrases très brèves dans Proust, comme des éléments de ressac, comme ça. Il y a un passage où, tout d'un coup, le narrateur pense à quelque chose du passé. Et c'est des phrases très, très brèves, très très brève, comme des gifles de vagues sur le banc de la mer. D'ailleurs, vous dites que la phrase la plus comique de Proust se résume à un mot, c'est « bref ». Oui. Oui, je me suis toujours promis d'écrire un pastiche de Proust qui commençait par « bref » et le pastiche durerait 202 pages. Mais ça, d'ailleurs, vous employez une locution adverbiale, ça fait aussi partie du côté aquatique de Proust. C'est-à-dire que l'eau est l'élément le plus totalisant qui puisse exister dans la vie humaine. L'eau, ça englobe tout, ça noie tout, ça englobe tout. Et ça participe du tempérament de Proust, parce que Proust lui-même est un tyran. Proust a besoin d'affection. Et son narrateur aussi, c'est une chose où ils ont ça en commun, et je peux le dire, puisqu'il y a à la fois le roman et des lettres de Proust. C'est une question d'ailleurs qu'on peut se poser pour, si on veut catégoriser l'humanité, une question que vous pouvez vous poser vous-même, qui est cruciale dans La Recherche du Temps Perdu, c'est préférez-vous aimer ou être aimé? Ça, c'est une chose cruciale dans La Recherche du Temps Perdu, et c'est crucial, la réponse de Proust et de son narrateur est être aimé. Rien n'est plus beau qu'être aimé dans Proust. Aimer, il s'en fiche. Le narrateur n'aime personne. D'ailleurs, au fond, je ne pense pas qu'il emploie lui-même l'expression de ce sentiment envers qui que ce soit, même pour Albertine. Et en tout cas, rien n'est plus... Mais dans toutes les expressions qu'il peut employer relatives à l'amour, il veut être aimé. Donc, les gens qui veulent être aimés sont des tyrans, évidemment, parce qu'ils attendent, comme la reine des abeilles, qu'on vienne leur offrir nos hommages. Mais en même temps, pour être aimés, ils émanent d'eux, ils font jaillir d'eux ces espèces de grandes séductions, de longues phrases. Et surtout, ils ne veulent pas qu'on les quitte, évidemment, puisqu'ils veulent être aimés. Proust ne voulait pas qu'on le quitte, et le narrateur ne veut pas qu'on le quitte. D'où la longueur de ses phrases. D'où une chose excessivement singulière dans La Recherche du Temps Perdu, c'est l'emploi des conjonctions de coordination. Proust a un emploi très très singulier des conjonctions de coordination. Il les emploie. Et d'ailleurs, tout ce que je vais dire est une chose, pour moi en tout cas intéressante, c'est que Proust, en réalité, écrit au contraire de la façon dont moi j'écris, si je peux me comparer, et au contraire de la façon dont je pense qu'on devrait écrire. Moi, je suis, au fond, plutôt du côté de Stendhal pour des phrases rapides, condensées, elliptiques, et Proust, au contraire. Mais ce qui veut dire que quand on est bon, on cède, et je ne peux que céder devant le génie de Proust. Donc, Proust fait ce que, par exemple, moi, j'ai en horreur, c'est qu'il emploie des conjonctions de coordination au début des phrases. Chose très, 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 très fréquente. Vous prenez une page de Proust, vous avez 3 ou 4 phrases qui commencent par une conjonction de coordination. Et la chose, donc, de coordination, c'est-à-dire pour coordonner déjà, pour que tout soit lié, que tout ça soit cette espèce d'océan qui nous englobe et qui nous séduise. Mais non seulement c'est pour coordonner, mais c'est pour coordonner en dépit de toute logique. Car
les conjonctions de coordination dans Proust n'ont pas de sens. Elles sont là juste comme des crochets. Vous avez un nombre considérable de phrases qui commencent par la conjonction de coordination, mais par exemple, mais ceci. Et si vous regardez cette phrase, elle n'a aucun rapport d'opposition avec la phrase qui précède. Vous avez de la même façon un nombre considérable de phrases qui commencent par « donc » ou « c'est pourquoi ». Vous lisez la phrase, il n'y a aucun rapport de logique avec ce qui précède. Et ça, en permanence. Ça, ça veut dire que ces mots, au fond, sont plutôt des espèces de filaments par lesquels il lit les phrases entre elles, encore une fois, parce qu'il veut garder la parole. Non seulement il veut nous séduire, mais il veut garder la parole. Oui, c'est une forme d'oralité aussi, hein, de raconter. Le « mais » passe plus à l'oral qu'à l'écrit. Et il est aussi dans cette notion de nous capturer, de nous empêcher de partir, en quelque sorte. Oui, ce « mais » nous retient. Attention, je n'ai pas terminé, j'ai encore des choses à vous raconter. Oui, c'est un tyran. Et alors, vous employez même le mot plusieurs fois, « lier, lier, lier ». Ah oui, Proust veut lier. Il veut lier à tout prix. Alors, il veut lier son lecteur, mais il veut lier aussi le monde qu'il est en train de nous décrire. Parce que Proust est un paniqué. Proust est paniqué. Moi, je pense que la recherche du temps perdu, c'est comme les murailles de sable qu'un petit garçon met au bord de l'eau quand il a fait des canalisations pendant 2 heures pour empêcher que la mer qui approche l'engloutisse. Proust ne veut pas, et c'est pour ça qu'il faut que son roman soit une totalité, il a une panique que les choses s'arrêtent et cessent. Tout son livre, qui d'un point de vue sociologique d'ailleurs pourrait être qualifié des funérailles nationales du 19e siècle. La recherche du temps perdu, c'est comme une espèce aussi de grands corbillards comme ça, avec des chevaux à plumet et des candélabres qui vont enterrer la vieille aristocratie, l'armée française, et il voit tout ça partir. Et donc Proust fait en sorte, par sa manière d'écrire, d'empêcher que l'océan, qu'un autre océan, celui du temps, vienne dévorer tout ce que nous avons vécu. Alors, vous dites Proust, vous dites beaucoup Proust. Or, dans votre livre, vous insistez beaucoup sur, attention, distinguons Proust de ce fameux narrateur à qui vous donnez d'ailleurs une majuscule tout au long du livre, ce qui est plutôt rare, ce qui est une façon très anglaise ou allemande. Mais c'est une manière pour moi de le souligner. Alors, vous avez un lien très particulier avec la majuscule et la minuscule, puisque vos titres de chapitre, vous supprimez les majuscules. Est-ce que c'est une coquetterie ou est-ce qu'il y a une explication? Non, je peux vous expliquer pourquoi. C'est que ça, et j'ai d'ailleurs réédité mes premiers livres dans ce sens. Moi, je pense qu'un livre est une phrase. Et qu'à la fin de tout, une œuvre est une phrase, une seule phrase. Et c'est pour ça que tous mes livres sont comme ça. Les titres de leurs chapitres commencent par une minuscule. Mon premier livre commence par une minuscule, ce qu'on appelle au fer à gauche, c'est-à-dire sur la page de gauche, la première qui sera ma première page par une minuscule, et finira par le dernier mot, idéalement sans point, parce que je pense que une œuvre est une continuité et qu'en plus de ça, nous ne venons pas de nulle part. Et que moi, je me relie à d'autres écrivains comme lui, mais un écrivain, malgré la vanité de beaucoup de mes confrères, si confrères il y a, un écrivain n'est jamais seul, n'est pas le produit prodigieux d'un météorite qui serait tombé sur la Terre, on est un produit de lecture. Et donc, voilà pourquoi... Donc vous avez une vision aussi globalisante de votre propre œuvre. C'est-à-dire concevez, plus vous mûrissez, plus vous concevez que ce que vous avez écrit depuis longtemps s'inscrit dans un parcours, voilà. De même que Proust a fait cette chose-là, sauf que lui, il l'a fait dans une seule œuvre. Oui, mais il y a une différence, si je puis dire, Proust n'était pas au fond si malin, c'est que Proust, par exemple, achève son roman, je vais revenir à votre narrateur, achève La recherche du temps perdu par le mot « fin ». Et moi, je ne fais jamais ça parce que je pense qu'évidemment, la littérature n'a pas de fin et que tout ça est cette longue phrase qui est reliée à d'autres phrases, d'autres écrivains et qu'il n'y a pas de fin. Et j'étais assez frappé que Proust mette ce mot « fin » qui était une chose dont j'ai cherché la raison. Ça doit d'abord être un des derniers romanciers français et même un des derniers romanciers à finir son roman par ce mot « fin ». On nous dit « le dernier mot, c'est temps », mais en réalité, le dernier mot, c'est « fin ». Et les romanciers ont fait ça jusqu'à lui, mais assez peu. Déjà, Balzac employait le mot « fin ». Zola ne le met pas. J'ai cherché, je pense que l'utilisation du mot « fin », qui n'est pas si négligeable dans un roman après tout,
ça n'existait pas dans les manuscrits antiques, par exemple. Enfin, pour ce qu'on sait des manuscrits antiques, qui sont des recopiages de manuscrits par des moines au Moyen-Âge. Mais en tout cas, il y avait un colophon à la fin du manuscrit, c'est-à-dire qu'il disait ça a été écrit par telle personne, et le titre est ceci, mais il n'y avait pas de mot fin. Je me demande si le mot fin est venu ou bien du théâtre populaire des farces du Moyen-Âge où on disait fin, c'est fini, et rideau, ou bien, et plus probablement, la littérature enfantine. Parce que les enfants, il faut absolument qu'on leur dise qu'il y a un début, un milieu et une fin, parce que sinon, ils ont, je pense qu'ils ont un monde imaginatif très forcé, il faut leur dire, attention, l'imagination c'est ça, et la réalité c'est autre chose. Et en tout cas, Proust s'est inscrit en ça, si vraiment ça s'apparente, si peu que ce soit, à les littératures pour enfants, un monde féerique. Et pour en revenir au narrateur, c'est une chose essentielle, je pense que vraiment... On ne comprend pas à La recherche du temps perdu si on pense, comme c'est beaucoup répété, que le narrateur, c'est Proust. C'est d'ailleurs une des erreurs des films adaptés d'À la recherche du temps perdu. Il y en a parfois de très bons. Le film de Raoul Ruiz, Le temps retrouvé, que je trouve un très bon film, a néanmoins pour moi cette erreur d'avoir le personnage de Marcel qui est là et à qui il a fait la tête de Proust. Ça entraîne une très très grande confusion, je pense, parce que La recherche du temps perdu, ce n'est pas les mémoires de Proust écrits au passé simple. La recherche du temps perdu est un roman. Oui, ce ne sont pas des mémoires. Ce ne sont pas des mémoires. Aucun moment, ce ne sont des mémoires. C'est un vrai roman et le narrateur, et c'est très important pour beaucoup de raisons, le narrateur n'est pas Proust pour des raisons très, très, très irréfutables. La première, c'est que le narrateur... Pour commencer par les moins frappantes, le narrateur n'a pas de frère, par exemple. Proust avait un frère. Le narrateur n'a pas de frère. Il y a peu de frères dans la recherche, de toute manière, aussi. Il y a peu de frères dans la littérature, en général. De façon générale, ouais. Dans la littérature d'hommes, il y a peu de frères, parce que, pour des raisons peut-être psychologiques, Jean Cocteau, qui avait un frère, n'a jamais de frère dans ses romans. Joyce avait un frère. S'est chargé après coup d'exploiter un peu le filon, mais il n'en parle non, jamais. Non, son frère s'est bien tenu. C'est le petit-fils qui s'est mal tenu, qui était un emmerdeur. On donnait l'heure au petit-fils de Joyce. Il protestait, il faisait un procès en disant il n'est pas midi et quart, il est midi 20. Ah non, le frère de Joyce, Stanislas, était un bon frère. Il a écrit un très très beau livre sur son frère d'ailleurs. Mais bref, en dehors. Donc, le narrateur n'a pas de frère. Une chose plus importante est que Proust était un écrivain amer, était un homme amer. Il adorait sa mère. Sa mère était quelque chose d'énorme pour lui. On est tous des gens à père, à mère, à sœur, à cousine. Moi, je suis un homme à cousine, j'ai des cousines partout et je crois qu'il n'y a que les cousines qui existent. Proust était un écrivain amer. La grande différence, c'est que le narrateur est un homme à grand-mère. Et c'est très différent, un homme à mère et un homme à grand-mère. Le narrateur est passionné par sa grand-mère. Il a une mère, mais elle est beaucoup moins importante que la grand-mère. Ensuite, de quoi ? La chose plus importante, c'est que le narrateur est hétérosexuel. Ça fait une différence assez considérable avec Proust qui était homosexuel. Une autre différence qui n'est pas négligeable non plus, c'est que le narrateur est catholique de tous les côtés et que Proust était juif par sa mère. Ça fait encore une différence considérable. Et par exemple, voilà où c'est autre chose que de l'anecdote ce que je vous dis, c'est que ça conditionne toute la façon dont l'affaire Dreyfus est traitée dans le roman ou par Proust dans la vie. Nous avons, et ça c'est crucial évidemment, dans la vie, Marcel Proust était à ses débuts un jeune homme mondain, un peu flatteur des duchesses, qui n'a pas d'ailleurs écrit à ses débuts des livres si marquants. C'est probablement le génie le plus laborieux de la littérature française. Il a mis du temps à arriver à devenir l'homme de ce chef-d'œuvre. Et lui, quand l'affaire Dreyfus est arrivée, tout d'un coup, quelque chose s'est révélé en lui. On le sait, il y a ses lettres. Tout d'un coup... Et des lettres en particulier à sa mère. Il écrivait beaucoup à sa mère sur l'affaire Dreyfus. Et tout d'un coup, lui, qui était d'abord élevé dans la religion catholique, mais on ne croyait à rien dans la famille Proust, ni du côté de la mère qui était juive, qui était des juifs laïcs, ni le père. On faisait un baptême et une communion de manière sociale. Mais néanmoins, il a été élevé dans la religion catholique. Et tout d'un coup, le torrent d'injures qui se sont déversés sur les juifs au moment de l'affaire Dreyfus a réveillé la part juive de Dreyfus,
qui écrit à sa mère, mais que c'est une part de moi qu'on injurie, c'est une part de moi-même qui est attaquée. Il a signé, par exemple, la pétition pour Émile Zola. On sait qu'il a assisté au procès de Rennes. Il s'est donc engagé, lui, comme homme, dans l'affaire Dreyfus, et qu'il a beaucoup marqué. Le narrateur, à aucun moment. D'ailleurs, l'affaire Dreyfus est traitée, et c'est le génie de Proust, c'est que le narrateur n'est même pas son porte-parole. C'est que l'affaire Dreyfus, dans le roman, qui est un événement important, mais finalement moins que la guerre et d'autres événements, l'affaire Dreyfus est traitée par le narrateur, qui est un homme oisif et qui ne fait rien, qui rêve de devenir écrivain, mais qui tout le long du livre ne fait rien que sortir dîner en ville et parler, est traitée du point de vue social, qui est la chose cruciale pour le narrateur. Il n'analyse l'affaire Dreyfus pas du tout, il ne dit pas le tort qu'on porte aux Juifs, l'armée française, il n'est jamais question de ça. L'analyse de la recherche du temps perdu est faite du point de vue social, et le narrateur dit par exemple, étudie la vie de Swann, qui est un personnage très important de la recherche, qui est Dreyfusard, et son Dreyfusisme est une des causes de son effondrement social. Donc voilà en quoi la différence entre le narrateur et l'auteur est une chose extrêmement importante. Et je vais vous dire la chose peut-être la plus frappante, c'est que dans une occurrence, une seule, dans la recherche du temps perdu, le narrateur monte à cheval. Proust n'est jamais monté à cheval de sa vie. Il avait horreur des animaux, un chat ne serait pas rentré chez lui, il n'aimait pas ça du tout. Eh bien, je pense que le simple fait d'avoir mis une fois et une seule fois, parce qu'une fois, ça se remarque plus que 10, s'il avait fait du cheval tout le temps, on aurait dit, bon, là, ça se voit. Et d'ailleurs, avec un rapprochement presque un peu moderniste, comme ça, le narrateur est à cheval et au même moment, dans le ciel, un avion passe. C'est un des premiers avions du roman français. Et eh bien, le fait que Proust mette son narrateur à cheval, c'est pour dire au lecteur attentif, voyez, il est à cheval, ça n'est pas moi. Oui, donc vous pensez que c'est un petit signe. Alors, le narrateur en question, il possède une mémoire absolument infaillible, ce qui est assez remarquable. Vous dites même que c'est une éponge. Qui, dans le monde sous-marin, n'est pas l'animal le plus intéressant, mais en tout cas, il a de belles qualités. Il a une mémoire presque infaillible qui lui permet de reconstruire un monde, en quelque sorte, hein, qui semble en même temps détruire pour l'accaparer. Alors, ce que vous avez l'air de dire, c'est que Proust n'est pas tant un architecte qu'une sorte de démolisseur. Vous employez bien le mot, un démolisseur, qui est plutôt du vocabulaire de Léon Blois, d'ailleurs. C'est-à-dire que, oui. Comment expliquer ce paradoxe qu'on a fait souvent de Proust un constructeur de cathédrale? C'est pas ça, en fait. C'est parce que Proust est malin. Il a mis lui-même la comparaison avec la cathédrale dans son livre. Quand on veut qu'on pense quelque chose de vous, il faut le mettre dans le livre. C'est l'air de rien, évidemment. Donc, le narrateur, à la fin, dit mon livre, ma cathédrale, et donc, quand on avale un peu tout cru ce qu'un auteur nous sert, on le resserre, mais ça n'est... Et d'ailleurs, comme Proust est excessivement malin, il y a cette comparaison que le narrateur fait lui-même de son œuvre avec la cathédrale, mais quelques pages après, et comme il a aussi beaucoup d'humour, beaucoup de pages plus tard, vers la fin du livre, sa domestique qui relie pour lui les pages de manuscrit, lui dit que son manuscrit ressemble à une robe mitée. Donc, vous voyez. Donc, je pense que cette idée de construction et de cathédrale... est erroné, enfin, Proust l'a prêté à son narrateur, très bien, mais d'ailleurs, on le sait bien, c'est pas une cathédrale, c'est plutôt une espèce de... Une crypte ? Non, c'est un McDonald's. C'est-à-dire, il y a des couches permanentes de... On le sait, quand il travaillait sur épreuve, il rajoutait des scènes, il rajoutait 20 pages. Alors, c'est un peu comme au McDo où on dit, je veux un supplément frites avec du bacon, du machin, de trucs, Proust. C'est vraiment un menu McDo, oui. C'est vrai, il en rajoute des couches. Donc, c'est pas du tout une cathédrale. C'est pas du tout une cathédrale. Je sais plus d'où on partait. Moi, je disais que c'était plutôt un démolisseur. Ah oui, démolir les réputations, par exemple. C'est quelqu'un qui ne veut pas être là pour représenter un monde à le magnifier, mais pour au contraire, essayer de trouver une forme de vérité qui est derrière la réputation, se cache un homme ou se cache des gens. Bien sûr. Moi, je pense que toute création procède d'une destruction. Les architectes et les urbanistes nous le montrent mieux que personne. Et on détruit pour mieux, souvent. Vous voyez, quand... À Paris, la place Vendôme avait une certaine conformation. Louis XIV a ordonné qu'on la détruise.
et pour construire une plus belle place. Eh bien, les romanciers font à peu près la même chose. D'ailleurs, on peut dire que d'une certaine façon, Proust a détruit son œuvre antérieure avec La recherche du temps perdu, car c'est l'homme d'une œuvre, c'est l'homme dans La recherche du temps perdu. Ce qu'il a écrit à côté, voilà, son premier livre est un recueil de nouvelles, bon, comme ça. Jean Santeuil, une sorte de brouillon raté. Mais d'ailleurs, Jean Santeuil est très intéressant parce que... Enfin, raté, non. Enfin, raté, je veux dire, un échec. Hein, un échec. Sortez, monsieur. Voilà. Non, enfin, il ne l'a jamais publié. Il a fallu que ce soit De Fallois qui l'exhume pour dire, voilà, c'était un livre... Ne prononcez pas le nom de De Fallois, parce que De Fallois s'est très mal tenu en tout. Si on pouvait dire du mal de Fallois... Ah non, attends, non, peut-être pas ici. Oh, laissez les fascistes dormir en paix. Mais Jean Santeuil, c'est une chose très intéressante, car avant La recherche du temps perdu... Donc, c'est pour ça que Proust a quelque chose d'héroïque, et pour moi, c'est quelque chose comme Hercule. C'est-à-dire qu'il a compris qu'il était très ambitieux au départ, mais son ambition était dévorée par la mondanité. Il voulait faire plaisir aux duchesses, on a tous des vices comme ça, et donc il perdait son temps dans des écrits un peu anodins. Il s'est dit qu'il voulait écrire un vrai grand livre. Il a entrepris ce roman que nous avons appelé Le Jean Santeuil, auquel il n'avait pas donné de titre. Le Jean Santeuil, Jean Santeuil est le nom du personnage principal. Proust a écrit 900 pages, pas du tout raté, il a écrit 900 pages qui ne convenaient pas à son idée, et je pense qu'il a eu raison. Il a écrit 900 pages, il a été assez héroïque pour dire, se rendre compte que ça n'allait pas et mettre ça dans le tiroir. Je vous assure que mettre 900 pages dans un tiroir quand on a passé des années à écrire, c'est très courageux. Mais c'était l'idée de génie de Proust, précisément. C'est que moi, je crois que les bons livres, les bons romans, les bonnes fictions, c'est une question de distance entre l'auteur et ce qu'il raconte. Et la distance n'est pas la même pour chacun. Marcel Proust, écrivant Le Jean Santeuil, écrivait donc des aventures qui parfois ressemblent à celles du narrateur dans La recherche du temps perdu, mais avec à la troisième personne, avec un nom à ce personnage. Le narrateur n'a pas de nom, à une ou deux exceptions près, qui sont à mon avis des inadvertances. Et lui donnant un nom, c'était trop loin de Proust. Ce narrateur à la troisième personne, il fit ceci, il fit cela, c'était trop loin. Proust avait besoin, à cause de son tempérament affectueux et tyrannique, que les choses soient près de lui, le plus près possible. Mais pas lui, parce que si c'était collé à lui, ça aurait été une autobiographie. Donc il a eu l'idée géniale et très courageuse d'abandonner son roman et de dire « un personnage nommé à la troisième personne, ça ne me va pas, faisons le narrateur ». Et ça, c'est une idée géniale. C'est comme ça que La recherche du temps perdu est devenue cette œuvre gigantesque. Alors, à un moment, enfin, c'est surtout la fin de votre livre, vous dites bien que vous considérez que Proust est un écrivain révolutionnaire, un mot qu'on emploie à tort et à travers. On a eu un XXe siècle très révolutionnaire. En quoi est-il un écrivain révolutionnaire ? Vous me reposerez la question, parce que je n'ai pas tout à fait fini avec la destruction. Pour la destruction, c'est vrai qu'il y aura... Parce qu'il y a quelque chose dans le créateur qu'est Proust, il y a un très grand sceptique qui passe tout à l'acide. C'est-à-dire que le narrateur ne croit à rien. Le narrateur ne croit à rien. Il ne croit pas à Dieu. Il ne croit pas aux réputations sociales. Il ne croit pas à l'amour, puisqu'il a il a des aventures catastrophiques en amour. Et d'ailleurs, toutes les histoires de tout le monde en amour dans La recherche du temps perdu sont des échecs. Il ne croit à rien. Il détruit tout. Il se moque de tout. C'est un très, très grand... très grand satiriste, comme nous le savons, et je ne vais pas répéter, parce que c'est la fausse découverte. Vous savez, comme nous sommes entre nous, je vais pouvoir le dire, les gens qui n'ont pas lu Proust et qui veulent avoir des éditions Proust vous disent, quand ils sont vraiment du niveau des grosses têtes, ils vous disent « c'est la Madeleine ». Et quand ils sont du niveau d'Europe 1, mettons, ils vous disent « c'est drôle ». Ils vous disent, c'est comique, et on ne le sait pas et on ne le dit pas assez, Proust est comique. On n'arrête pas de dire que Proust est comique. Le premier livre publié sur Marcel Proust, de Léon Pierquin, qui était un de ses amis, en 1924, je crois, deux ou trois ans après sa mort, les trois quarts du livre sont sur le comique du Proust. Donc ça, c'est les gens qui ne l'ont pas lu et qui découvrent la lune ou qui veulent faire « Ouh, attendez, Proust est très comique ». C'est un peu comme si « Ouh, Balzac est réactionnaire, ah bon ?» Et... en tout cas, il passe tout à l'abrasif de son humour, de son... Il est assez... vient d'être publié, vous avez dû recevoir ça chez Mola, le journal inédit de Reynaldo Hahn, qui avait été son ami, le musicien, qui est très,
très intéressant, à ceci près que Reynald Owen, je ne crois pas que les préfaciers le disent, Reynald Owen a détruit lui-même les deux années les plus cruciales, c'est les deux années où il a probablement été l'amant de Proust. Donc on ne sait pas les choses les plus intimes sur Proust, mais à un moment, il dit cette chose très intéressante, il dit... Oh, Marcel, qui n'arrêtait pas de parler de gentillesse, et c'est vrai que pour lui, le mot gentil, il ne faut pas le prendre à la manière du Sud-Ouest, où quand on dit gentil dans le Sud-Ouest, ça veut dire il est gentil, mais pour lui, c'était une chose colossale d'être gentil, et Reynald Owen dit oui, il était gentil, mais enfin, il disait beaucoup de mal de tout le monde. Et ça, dans la recherche du temps perdu, on le voit tout le temps, on sait très bien les Verdurin, il a une passion de se moquer des gens avec la moustache. Ça, c'est une chose très importante dans Marcel Proust, la moustache et les poils. Ils sont tous moustachus, j'ai dit. Bah, déjà, il vit dans un monde velu, le monde de Marcel Proust de la Troisième République. Moi, ça m'avait frappé il y a quelques années, pas très loin de chez vous, en allant à Bayonne, au musée Bonnat, qui était un bon peintre, et Bonnat, qui était un peintre officiel, comme vous savez, peignait beaucoup de notabilités de la Troisième République. Et c'est fascinant, comme quand on va là, on a l'impression d'être au zoo du parc de Vincennes, on se dit, l'homme remonte au singe. C'est-à-dire, on voit le président Grévy avec des favoris, long comme ça, ils ont tous des moustaches, des sourcils grands comme des barbes. Tous les hommes de la Troisième République sont des gorilles. C'est frappant, c'était nouveau dans l'histoire de France. Enfin, il y a des allers et retours du poil dans la politique française. Oui, il y aurait beaucoup à dire sur le poil. La Renaissance était assez poilue et velue, les romantiques aussi, mais en tout cas, là, c'était un retour de cette espèce de... Mais je pense que la Troisième République avait besoin de velu parce qu'elle succédait à des révolutions, à des régimes autoritaires. Et quand on n'est pas empereur, on a besoin de poils. Je pense que la barbe remplace la couronne. Eh bien, Proust a une passion des poils et chez les femmes en particulier. Il y a un passage qui est d'un mauvais goût à la Thierry de Luron, un peu comme ça, parce que parfois il n'a pas toujours très bon goût, où il nous montre Madame de Sainte-Verte qui a de la moustache ici et qui est très bavarde et qui, en parlant, salive. Et donc le narrateur passe une demi-page à nous expliquer, à nous montrer la salive qui fait briller un peu les poils de Madame de Sainte-Verte. Et quand il est perfide, il n'hésite pas à parler des moustaches des vieilles douairières. Oui. Donc il y a ce côté très destructeur dans Proust. Il détruit tout sauf une chose, l'art. Voilà. Il conteste la vie au profit de l'art. La seule chose qui n'est pas détruite dans La recherche du temps perdu, ce sont des personnages admirables et d'ailleurs souffrants qui sont les artistes, en gros. C'est-à-dire Elstir, le peintre, Bergotte, l'écrivain, et Vinteuil, le musicien. Eux survivent par leur œuvre. Ils ont d'ailleurs des vies parfois malheureuses, puisqu'on sait que Vinteuil a une fille lesbienne qui crache sur le portrait de son père, etc., etc. Et c'est en même temps ce grand. Mais c'est la seule chose qui vaille et qui Proust détruit tout, parce que la seule chose pour lui, et c'est en cela probablement qu'il est comme les romantiques, comme Victor Hugo, comme Musset, comme Vigny qui est souvent cité dans La recherche du temps perdu, pour lui, la seule chose qui survive, c'est l'art. D'accord. Alors, la chose qui compte aussi, qui permet de survivre, c'est le nom. Vous insistez beaucoup sur le fait que Proust est un romancier de noms, à la différence de vous, qui avez un problème avec les noms, et que vous nous confiez un drame personnel, ou qui n'est peut-être pas un drame, par exemple, si je vous rencontre 5 fois, vous ne vous rappellerez toujours pas de mon nom, ce qui n'est pas grave, mais vous avez un problème avec les noms, et donc vous êtes un romancier qui ne vous intéressait pas aux noms, et vous êtes passionné pour un écrivain pour qui le nom est capital. Alors pourquoi le nom est-il si important dans l'œuvre de Proust ? Il y a quelques années, comme ça, à Paris, boulevard Saint-Germain, donc enfin, à vrai dire, je ne me rappelle pas les noms et je ne me rappelle pas les visages non plus. Le matin, quand je me rase, je me dis bonjour monsieur, je ne sais pas qui je suis. Et un jour, comme ça, boulevard Saint-Germain, je marche et je vois quelqu'un, un homme qui marche en face de moi et je me dis, ce type, je le connais. Et donc, comme je fais toujours des impairs, je le salue. D'ailleurs, ça m'arrive parfois dans des verres ou des choses comme ça, de me dire, oulala, tu le connais, mais qui est-ce ? Salue-le. Et en fait, c'est quelqu'un avec qui je suis brouillé et à qui je suis obligé de parler. Vous avez du panache. C'est affreux. Et donc, cette personne vient devant moi, je me dis, tu la connais ? Je la salue comme ça, bonjour. Lui, il me salue comme ça. Et là, je me suis remémoré assez vite, parce que j'ai éclaté de rire devant chez Lib, 100 pas après, c'était Alain Juppé que je ne connaissais pas. Donc je crois qu'on est... Et peut-être que lui a été très flatté dire Charles Danzig m'a salué. Et donc, oui, les noms, c'est une chose très importante chez Proust.
les noms et les prénoms, par exemple, enfin, il y a une distinction à faire, évidemment, entre les deux. Proust, La recherche du temps perdu est très souvent une histoire de noms, parce que c'est une histoire d'aristocrate, beaucoup. Et pour Proust, pour le narrateur, pardon, le narrateur a cette idée que le nom est le lieu. Parce que Madame de Guermantes vient d'un endroit qui s'appelle Guermantes, parce que Monsieur de Machin vient de Machin, parce que le comte de Truc vient de Truc. Donc, il associe très souvent le nom au lieu. Et c'est pour cela que les noms de lieux, dans La recherche du temps perdu, ont une extrême importance. Le narrateur les aime beaucoup et il en donne la passion des noms de lieux à un personnage secondaire qui en parle énormément. Et ça, c'est un truc, c'est encore une différence entre Proust et moi. Rien n'éblouit plus Proust que les noms de villages français à 14 syllabes et 3 mots. Alors il arrive à... Il dit Varangeville-la-Vieille, il se pâme. Radon-la-Mouillette, et alors il en fait 3 pages. Il y a un épisode très drôle dans votre livre, vous racontez ça. Mais oui, vous-même, vous le... Voilà. Moi, il me faut du Prozac, parce que ça me donne des angoisses, ces trucs. Je vois des villages où les gens se détestent et tout ça, je me dis quelle horreur. Et lui, il adore ça. Donc, il y a le nom, et il y a aussi... il a un sens un peu satirique, mais assez exact du nom, par exemple. On voit bien que les bourgeois ont des noms moins élégants que les aristocrates. L'écrivain, qui est un génie, mais est un écrivain bourgeois, il s'appelle Bergotte. Verdurin, c'est quand même un mot qui voilà. Qui, Verdurin, qui est étrange, je pense que, comme il a, avec son esprit espiègle, je me demande s'il n'a pas voulu se moquer de la passion de Madame Verdurin pour Wagner. Et je pense qu'il a dû se dire, en cherchant le nom, hors du Rhin, vers du Rhin. D'accord. Je me dis qu'il y a un truc comme ça. Et puis après, il y a les prénominations qui sont capitales. Par exemple, Oriane de Guermantes, qui est, comme vous savez, un personnage essentiel de La recherche du temps perdu. Une de vos préférées, en tout cas. Hein. Une déclaration d'amour. Hein, même essentiel pour le narrateur, puisque tout part de là. Il veut la connaître. Quand il fait d'ailleurs la connaissance de Saint-Loup, il veut qu'il serve d'intermédiaire pour lui présenter. Et c'est elle qui lui ouvre ce monde-là. Eh bien, je pense que Oriane, qui est donc le narrateur, en fait la connaissance d'abord indirectement par l'histoire de sa famille, parce qu'il va dans une église, il y a une tapisserie où il voit Geneviève de Brabant tisser, qui est une ancêtre de Oriane de Guermantes au Moyen-Âge, et il rêve là-dessus. C'est d'ailleurs, par parenthèse, une chose très intéressante, c'est que dans Proust, vous me ferez me rappeler où j'étais, Proust, le mobilier n'existe pas dans Proust. Proust, on dit, on pense, cet homme si raffiné, si ça. Proust, c'est pas du tout maison et décoration, le mobilier n'existe en rien. C'est pas Balzac, en tout cas. Hein, je viens de parler du mot tapisserie. Pour lui, vous ne verrez jamais chez Proust une passion pour un tapis, précisément, ou un fauteuil, ou choses qui peuvent arriver chez... Théophile Gautier, par exemple, a une passion pour les fauteuils. Je me rappelle une nouvelle de Théophile Gautier où une marquise est assise dans un fauteuil crapaud en soie rose. La description du fauteuil crapaud est plus longue que celui de la marquise. Et chez Proust, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, quand on voit dans quoi Proust vivait, on part en courant. Enfin, le brocanteur du quai n'en voudrait pas. L'appartement de Proust, c'était affreux. C'était du mobilier Henri II, des espèces de naïades en marbre qui entouraient des horloges de 20 cm. Enfin, affreux, affreux. Et d'ailleurs, les gens ont souvent mauvais goût, hein, c'est connu. Oui. Et donc, pour singulariser encore plus cette Oriane, qui est un personnage féerique, ce personnage qui est dans la baignoire de l'opéra et qui ressemble à une sirène, il lui donne un prénom qui n'existe pas. Le prénom d'Oriane n'existe pas. Il l'a inventé complètement. Comment ? C'est l'or. Non, c'est Oriane. C'est l'or. Ah oui, c'est probablement... Oui, et c'est l'or aussi. Et c'est l'or aussi. Et de la même... à l'opposé, le marquis de Norpois, qui est quelqu'un de très important dans La recherche du temps perdu, qui est un diplomate un peu ridicule et gourmé et compassé. Cela dit, quand on voit ce que sont les affaires étrangères de nos jours, moi, je suis tout à fait pour les diplomates compassés, gourmés et qui noient le poisson. Maintenant, on a des diplomates qui sortent les canons et qui s'injurient. Mais bon, en tout cas, le marquis de Norpois n'a pas de prénom. Et ça, je pense que c'est un signe indirect donné par Proust que c'est quelqu'un qui est un peu plus loin. D'abord,
il est moins aimable. Quelqu'un qui a un prénom, c'est quelqu'un qu'on aime davantage que quelqu'un qui n'a qu'un nom. Voilà. Quand on vit avec quelqu'un, on lui dit pas, enfin, sauf si on est Louis XIV, on lui dit pas Madame, on lui dit Geneviève. Et Robert de Saint-Loup, est-ce qu'il l'appelle souvent Robert ? Voilà, c'est qu'un personnage. Alors, Oriane de Guermantes, donc c'est un personnage auquel vous êtes très attaché, qui est très important, qui quand même. C'est un personnage, c'est l'histoire d'une déchéance quand même, Oriane de Guermantes. Mais c'est une déchéance. Voilà. Mais c'est vraiment le personnage dont on sent que il est là, il est à la fois, il est presque amoureux d'elle, mais qu'il va jouir de la voir s'éteindre ou disparaître. Oh, jouir, c'est beaucoup dire. La jouissance de son écriture. C'est-à-dire que Oriane de Guermantes est donc, comme tout le monde le sait, la femme la plus courue de Paris, celle qui fait les réceptions les plus exquises, qui est spirituelle. Il a pris l'idée de l'esprit de Madame de Guermantes au Mortemart. Car Madame de Pompadour était Mortemart. Et toutes ses sœurs étaient pas à Pompadour. De Sévigné. Non, pas Sévigné du tout. Montespan, merci monsieur. Okay. Montespan. Voilà, Montespan était Mortemart et ses sœurs étaient Mortemart. Et dans les mémoires de Saint-Simon, il y a des passages infinis sur le fameux esprit des Mortemart. Dans le siècle de Louis XIV de Voltaire, il y a l'esprit des Mortemart. Et donc il a pris cette idée d'esprit, car toute la famille de Guermantes a le même esprit que Coriane, un peu mordant, un peu cassant, mais parfois très imagé et spirituel. Et donc, elle est comme ça, elle est la femme qui fait les réputations dans Paris. Et à la fin, elle est déchue un peu comme tout le monde, mais ça sert à Proust à montrer quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'à la fin, quand le temps est passé, d'ailleurs, la notion du temps dans Proust est tellement aberrante que vers la fin, en réalité, la fin est une... presque de l'anticipation. C'est presque de la science-fiction, parce que le temps a passé tellement longtemps qu'en réalité, si on compte réellement les années, ça se passe bien après la mort de Proust lui-même, parce que... Mais en tout cas, à la fin, dans cette fameuse scène de tête, comme ça, où il voit ses amis bien longtemps après, et où il passe du temps à la reconnaître parce qu'ils ont tous des cheveux blancs et qu'ils ont vieilli. D'ailleurs, c'est une scène qui serait impossible à écrire de nos jours avec le botox et la chirurgie esthétique. Il voit Oriane comme ça et qui est considérée par les nouvelles personnes, les jeunes filles de l'aristocratie, je dirais pas comme une ringarde, mais enfin un peu passée. Ils savent plus très bien qui c'est. Elle est un peu ridicule, cette dame. Sauf qu'à un certain moment, comme il l'aime beaucoup quand même, on la voit, ça dure une phrase où elle lève le menton et elle dit quelque chose de très impérieux et les gamines de l'aristocratie ont un peu peur. Mais ça sert à Proust moins à se moquer d'Oriane qu'à montrer comment les choses passées sont modifiées erronément par le présent. C'est-à-dire, nous le vivons nous-mêmes au-delà d'un certain âge. Moi, ça m'est arrivé il y a peu de temps, un jeune garçon qui est un de mes admirateurs me parlait des années 80 en me disant ça, et je me rendais compte que tout était un peu décalé, un peu à côté par rapport à ce qui s'était passé. Et ça, nous seuls le savons. Et ça, c'est une expérience que le narrateur et que Proust a vécu et qui est décrit par ça. C'est-à-dire que les gamines de la recherche du temps perdu à la fin, le temps a passé, c'était 40 ans avant, et Oriane de Guermantes, c'est quelqu'un dont leur mère ou leur grand-mère parlait, donc elles ne savent pas bien. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées, et nous, ça nous arrive aussi. Nous, on sait très bien, au-delà d'un certain âge, que je ne sais pas quoi, sous Mitterrand, c'était comme ça. Mais des gamins de 18 ans maintenant ont une idée erronée, et cette idée erronée finit par se cristalliser et par devenir, au fond, l'authenticité. Et Proust le montre d'une autre façon, c'est qu'il fait un pastiche du journal des Goncourt, où les Goncourt sont supposés montrer les Verdurin et où Madame Verdurin est une femme spirituelle, amusante, etc., qu'elle n'est pas. Donc ça montre aussi, ça c'est très intéressant, c'est une chose que nous-mêmes on constate en permanence et qu'on laisse faire parce qu'on n'y peut rien après tout, c'est toujours... Et nous-mêmes avons fait ça avec nos parents, nos grands-parents, on a décidé de choses, moi-même j'ai décidé de choses de la guerre de 40 que je ne connaissais pas et probablement je me trompe. Mais c'est cette espèce de simplification fausse qui fait qu'au fond, nous parlons du passé et on parle d'une chose qui s'est très très peu produite. Alors, un autre personnage auquel vous êtes attaché, c'est Robert de Saint-Loup. Il vous touche parce que, et alors c'est assez rare, vous le raccordez à votre propre histoire. C'est-à-dire, tout d'un coup, en découvrant ce personnage,
vous avez une, ce qui est une attitude un peu adolescente, hein, d'avoir tendance à tirer un personnage vers soi. Il a révélé quelque chose de vous. Des années après, vous avez toujours cette tendresse pour Saint-Loup, parce qu'il a, comme s'il avait été un écho de quelque chose que vous n'arriviez pas à formuler. Oh, on aime. Enfin, je n'aime pas un personnage parce qu'il me ressemble. Mais celui-là en particulier, quand même, malgré tout. Non, mais j'ai fini par me rendre compte que après. Pourquoi, en partie, il m'avait attiré. C'est-à-dire, il m'a attiré comme le narrateur, parce qu'au départ, il est grand, il est beau, il est courageux. Il est courageux, il est tout ça, il est chevaleresque. Il est attentionné. C'est d'ailleurs une chose. Le mot attentionné est fréquent dans la recherche du temps perdu. Attentif, attentionné, le tact. Et ça se relie à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire le côté. Tyrannique et assez content de lui du narrateur. C'est-à-dire que ce narrateur qui balance sur tout le monde dans ce roman, lui, à aucun moment, n'est touché par le ricanement et par la moquerie. Jamais, jamais. Évidemment, c'est celui qui raconte, mais il pourrait se mettre dans une situation où il a l'air moquable. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, quand Robert de Saint-Loup fait sa connaissance et devient vraiment un ami très, très proche, Robert de Saint-Loup n'arrête pas, lui parle plusieurs fois au narrateur de son génie. Et le narrateur ne fait pas, ça nous arrive à tous, écrivains, vous êtes un génie, arrêtez, madame. Pas jamais. Il accepte ça avec une bénignité. C'est le sultan dans le harem qui est là. Ah, mais alors le narrateur, c'est ou alors Bouddha qui reçoit les offrandes. Il est assis, il écoute mon génie, mon machin, mon truc, il n'objecte jamais. Bref, Saint-Loup le pense d'ailleurs. Mais j'aime Saint-Loup parce que c'est aussi un personnage. Un personnage varié et qui fait partie, qui révèle bien le goût du blasphème de Marcel Proust. C'est-à-dire que Proust est un grand blasphémateur par des petites touches. Il n'est pas, c'est pas un écrivain dans une période où il y avait beaucoup de pamphlétaires et où vous parliez de Léon Blois et où on rentrait beaucoup dedans. Proust ne fait pas ça comme ça. Mais par exemple, il y a une scène de bordel pour homme dans La recherche du temps perdu où on voit sortir le narrateur voit sortir quelqu'un qui prend d'abord pour une femme et puis quand le personnage s'approche c'est quelqu'un avec une soutane et c'est un prêtre et c'est très vite dit mais c'est là et Robert de Saint-Loup est peut-être l'apothéose de ça car Robert de Saint-Loup qui est si varié, si multiple et c'est aussi pour ça qu'il est intéressant parce que d'abord Saint-Loup, au départ, a des maîtresses, vit avec Rachel, la fameuse comédienne de théâtre, et on se rend compte petit à petit qu'en réalité, il est homosexuel. Et il va à la guerre, il est mobilisé. D'ailleurs, sa tante, Oriane de Guermantes, qui est assez méchante, refuse de demander à son mari, le duc, une lettre de recommandation pour Robert qui le protégerait à l'état-major et qui fait que Robert de Saint-Loup est envoyé au front parce qu'elle ne veut pas être dérangée. Qu'est-ce que c'est que ces manières de me demander quelque chose ? Et Robert de Saint-Loup a une conduite héroïque pendant la guerre. Il gagne la croix de guerre. Il revient à Paris. Il va au bordel pour homme en question, d'où le prêtre était sorti quelque temps avant et où le baron de Charlus se fait fouetter à l'envi. Et puis, il y perd sa croix de guerre. Et ça, c'est très, très, très Proust. C'est-à-dire, il y a l'héroïsme, mais aussi, au fond, ce qu'est la vie, c'est qu'il n'y a que dans les romans mensongers que le héros a sa croix de guerre et puis il part, ça broclaire, etc. Non, on oublie sa croix de guerre dans un bordel. Ça arrive et la vie est tout le temps comme ça. Et d'ailleurs, le génie supplémentaire de Marcel Proust, c'est qu'il va au bordel, il perd sa croix de guerre, et d'ailleurs, on découvre seulement après qu'il l'a perdu là, et Robert repart au front, et il meurt le surlendemain. Et pour moi, ce surlendemain, c'est la preuve du génie de Proust. Un écrivain moyen aurait dit « le lendemain, il mourut ». Le coup d'éclat, le coup de théâtre. Les mauvais écrivains adorent le coup de théâtre, et donc, il serait dès sorti du train, il aurait été tué. Pas du tout, Proust est assez malin, parce que aussi, la vie est comme ça. La vie n'est pas faite de coups de théâtre. La vie, c'est le surlendemain qu'on est tué. Alors, il faut qu'on surveille l'heure parce que ça tourne très vite. Quand on parle de Proust, on a l'impression que le temps s'étire. C'est alors, ta faute. Saint-Loup, c'est un des grands personnages homosexuels de la recherche, mais ce n'est pas le plus grand. Le grand personnage, c'est
C'est Charlus. Hein. Et alors, vous, dans le livre, vous insistez beaucoup, enfin, vous insistez. Vous avez un passage important pour dire, parler de l'homosexualité de Proust, qui est un des sujets importants dans lequel, de la recherche, dont on ne parle pas tant que ça. On a l'air de, on l'évite souvent un peu, ou on a l'air de dire que c'est un non-sujet. Vous insistez dessus. Vous dites que la recherche fourmille de gays, et avec un grand plaisir, vous citez leur nom, parfois qu'on voit réapparaître comme ça. Mais pour vous, Charlus, c'est le premier grand personnage d'homosexuel de la fiction. Oui, c'est tellement... Mondial, c'est, hein, carrément. Hein, mondial, voilà. Oui. Donc, enfin, c'est tellement... Il y a tellement d'homosexuels, c'est qu'à la fin, c'est même presque un peu comique, c'est que le narrateur se rend compte que quantité de personnages étaient gays. Et donc, je crois que c'est son monde rêvé, là. Comme parfois, il y a des alcooliques qui voient des pochetrons partout, ils voyaient un peu des homosexuels partout. Et donc, Forcheville était gay. Le frère de Bazin, qui est la chose la plus aberrante du monde, à mon avis, il est gay. Ou alors, peut-être que, évidemment, comme Proust est très malin, c'est peut-être moi qui suis bête et que j'y pense, j'aurais peut-être... je ne l'ai pas écrit. Peut-être qu'en fait, par ça... Proust veut nous montrer que le narrateur devient gaga comme Oriane. Oui, d'accord. Je n'y ai pas pensé. Bon, écoutez, c'est en parlant que les idées apparaissent. Ouais. Mais oui, c'est pas faux ce que vous dites, monsieur. et il a le personnage évidemment d'homosexuel le plus important, c'est Charlus. Moi, il faut dire Charlus par Charlus. Attention. Enfin, on dit tournu et pas tournus. Enfin, voilà, qu'en fait, le nom, la baronnie de Charlus. Charlus est le beau-frère d'Oriane de Guermantes et le frère du duc. Et il est, alors qu'il aurait droit de porter le nom de Guermantes, il est tellement snob qu'il choisit une toute petite baronnie de rien du tout pour signaler, par contraste, qu'au contraire, il est un grand seigneur. Et cette baronnie de Charlus est en Bourgogne. Et si vous allez en Bourgogne, la ville de Tournus, que nous, dans le sud-ouest, on dirait Tournus, eux, ils disent Tournu. Donc, je présume que Charlus se dit Charlus. Et d'autant plus que dans le patois très singulier de la famille de Guermantes, où chacun a des où ils ont une façon très à eux de prononcer, ça s'est raconté de manière assez drôle dans le roman. Par exemple, Oriane de Guermantes, à un moment, dit, et le narrateur ne comprend pas tout à fait, mon oncle de Rouen. Et mon oncle de Rouen, c'est mon oncle de Rouen. Donc, il est tout à fait possible que Charlus n'ait pas non plus la prononciation que le mot pourrait supposer. Et en tout cas, il y a eu quelques personnages d'homosexuels ou de lesbiennes, car aussi il y a beaucoup de lesbiennes dans la recherche du temps perdu. Il y en a eu avant, mais très peu. Je ne parle pas de la littérature antique ou dans la littérature romaine et grecque où ces choses étaient beaucoup plus admises dans la société, où c'était raconté sans plus de problème que ça, mais dans la littérature occidentale contemporaine et moderne, ça n'existait pas avant Proust. Vous avez, à ma connaissance, quelques scènes de lesbianisme dans Les Bijoux indiscrets, mais c'est pas vraiment un roman, c'est un conte. Vous avez un personnage de lesbienne dans Le Comte de Monte Cristo, Mademoiselle Danglars, qui s'enfuit avec sa professeure de chance, qui fait un gros scandale, mais le mot n'est jamais dit et tout doit être déduit par nous. Et d'ailleurs, c'est un personnage de cinquième plan. Nous avons Vautrin dans la Comédie humaine de Balzac. Mais Balzac étant Balzac, Vautrin n'est homosexuel que parce qu'il est assassin. C'est-à-dire, c'est un vice de plus que lui donne Balzac. Et Vautrin est accablé de défauts. Voilà, il est accablé de vice, il est assassin, plus, ouais. Il est gay, voilà, tout ça. Et probablement, il doit saucer les plats avec du pain. et avant tout... Et donc, ça n'existait pas. Et dans la littérature, vous ne trouvez ça ni dans la littérature anglaise, ni italienne, ni russe, ni quoi que ce soit. Proust a eu l'originalité insensée de créer un personnage homosexuel et de lui donner une place considérable. Et d'ailleurs, d'appeler un de ses volumes Sodome et Gomorre. Et on voit bien, d'ailleurs, toutes les précautions qu'il a dû prendre par les lettres qu'il a écrites et qu'il écrit à ses éditeurs avant que le livre ne paraisse, en disant « Attention, il y a un sujet scabreux, mais ça ne me concerne pas du tout. Moi, je n'y suis pour rien. » Mais enfin, après tout, ce sont des choses à décrire. Et c'est compréhensible. Vous savez, Proust vivait à une époque où l'homosexualité était tellement réprouvée que un journaliste et un assez bon écrivain, d'ailleurs, très connu à l'époque, qui s'appelait Jean Lorrain, lui-même homosexuel, écrit dans un grand journal de Paris, un article sur Proust où il insinue très lourdement que Proust couche avec le fils d'Alphonse Daudet.
Et Marcel Proust lui fait un duel, le provoque en duel. Ils se sont battus en duel, personne n'a été blessé. C'est-à-dire qu'on vit dans une société où un gay accuse un gay d'être gay, lequel gay, honteux d'être gay, fait un duel à l'autre gay. Donc il fallait vraiment se camoufler. Ce qui est arrivé à Oscar Wilde et qui a été condamné après avoir porté plainte contre diffamation. Non, mais Oscar Wilde, il n'a pas été accusé par un gay. Oui, mais c'est lui qui a porté, il a porté plainte parce qu'on le diffamait. Voilà. Oui. Voilà. Donc, ce qui est encore plus on l'a traité de sodomite. Mais... c'était compliqué de décrire ça et c'est une entrée dans la littérature. Moi, vous savez, je crois que la fiction est la bonne fiction est importante parce que elle annexe à la vie, elle prend à la vie des territoires que la vie se cache. La vie, c'est l'organisation la plus hypocrite de l'univers. On le sait bien, on vit. Nous savons bien que tout est hypocrite. Et la vie se cache tout ce qui dérange un peu. Quand vous pensez... Et le plus grand combattant de l'hypocrisie, ou la plus grande combattante, c'est la fiction qui nous sauve. Je vais prendre un autre exemple que Marcel Proust. Je dis ça parce que Marcel Proust a annexé à la littérature et a montré aux gens que l'homosexualité, ça existe, c'est tout, c'est là. Il a fait un personnage, et on fait ça par des personnages. Il a osé le faire, et c'était très nouveau. Et on en a beaucoup voulu, enfin, on y reviendra peut-être ou pas, mais Proust était très méprisé quand on nous dit maintenant son prix Goncourt, un triomphe, etc. Son prix Goncourt n'était pas un triomphe, d'abord, il n'a pas beaucoup vendu. Toute la presse de Paris a ricané, et il y a même eu un numéro de revue à Pigalle qui s'est appelé Prout ma chère. Vous voyez le niveau d'élégance et ce que ça voulait dire. Un autre exemple très frappant, c'est le handicap mental. Ça existe, je présume, depuis l'homme préhistorique. Enfin, il est évident que le handicap mental a toujours existé. Eh bien, le premier personnage de handicapé mental, la première fois qu'on nous en a parlé dans un roman, c'est-à-dire c'était juste un sujet médical et à peine même au moment où on en a parlé, on mettait ces malheureux dans des asiles et on n'en parlait plus, c'est William Faulkner dans Le bruit et la fureur en 1929. Il a fallu des milliers et des milliers et des dizaines de milliers d'années pour qu'un écrivain dise « Regardez, ça existe, c'est là ». Voilà, la fiction, ça sert à ça. Et Proust a apporté ça, il a apporté, d'une certaine façon, c'est très rare qu'un écrivain apporte un personnage qui caractérise ça, qui caractérise une chose nouvelle et qu'on n'avait pas décrite avant lui, c'est très rare. On reconnaît le grand écrivain à la capacité à aller sur un territoire où personne n'est allé. La littérature est impérialiste. Et alors, Proust donne le sentiment qu'il est allé sur plusieurs territoires. C'est-à-dire qu'il y a l'homosexualité, mais il a parlé des Juifs comme peu d'écrivains ont osé le faire. Juifs, c'était pas nouveau. C'était pas nouveau, mais il y a... C'est-à-dire, il y avait une littérature juive, mais qui était une littérature pittoresque. Des écrivains, d'ailleurs, qui étaient assez vendus, Edmond Fleg ou des gens comme ça, mais qui étaient réduits au pittoresque. C'était les papillotes, le chapeau, la synagogue. Et ça réduisait, et c'était bien, c'était déjà une description, mais ça réduisait les Juifs au pittoresque. Proust, les amis, effectivement, a été un des premiers à les mettre dans la société comme des personnages, comme d'autres, sans cacher d'ailleurs les ennuis que ça pouvait leur créer. Mais les vrais sujets qu'il a... Enfin, il a apporté... L'essentiel, évidemment, est la forme et la façon d'écrire. C'est par ça qu'un écrivain survit. Mais néanmoins, en plus de ça, Proust a apporté, chose encore plus rare, à mon avis, 4 sujets à la fiction mondiale qui n'avaient pas été traités avant, donc l'homosexualité par le baron de Charlus. Il a apporté l'étude du snobisme, qui n'existait pas. Il y avait des écrivains anglais des gens comme ça. Thackeray, ce n'était pas des romans. Thackeray a écrit quelques articles, des moqueries comme ça, mais il n'en a pas fait un vrai sujet. Alors on peut dire que le snobisme est ridicule, mais tout est ridicule. Le snobisme n'est pas plus ridicule de l'amour que l'amour. Quand on est amoureux, on est ridicule. Tout est ridicule. Et justement, Proust a traité ce sujet comme une passion. Et c'est crucial dans la recherche du temps perdu. Après tout, ça aussi, des snobs, ça existe. Il montre, par exemple, le personnage de Le Grandin, qui n'est pas reçu par Henriane de Guermantes, pour qui c'est une mortification, qui en est blessé, et il l'appelle, de manière assez drôle, le Saint-Sébastien du snobisme. Et dans mon livre, je donne un exemple, maintenant qu'il est mort, j'ai pu le dire, qui est un cas typique de ça. C'est pour dire que ce n'est pas négligeable. À partir du moment où une chose fait souffrir quelqu'un, c'est important. Le snobisme fait souffrir des gens, c'est important, c'est intéressant à étudier. Eh bien, je donne l'exemple
de Giscard d'Estaing, l'ancien président de la République, le jour où il, et je le tiens de la bouche du cheval, le jour où il a été élu, un de ses amis, il ne voyait pas, comme vous savez, Giscard ne fréquentait pas Germaine et Dédé, hein, c'était... il voit des amis duc et comte le soir de son élection. Et le duc d'Harcourt, qui était un de ses vieux amis avec qui il chassait, parce que Giscard ne pêchait pas à la ligne non plus, il chassait. Le duc d'Harcourt lui dit « Ah là là, c'est merveilleux, tu es élu président de la République à 49 ans, quel triomphe, comment dois-je t'appeler, monsieur le président, dois-je te vous soyez ?» Et Giscard lui répond « Oui, je suis élu président de la République, mais je ne serai jamais duc. Je ne serai jamais duc. L'homme venait d'être élu par 20 millions de personnes. C'est beaucoup plus difficile d'être élu président de la République que d'hériter un titre de papa quand il est mort. Eh ben non, c'était le Saint-Sébastien du snobisme aussi. Voilà des choses que nous montre Proust. Ça existe, et c'est pas négligeable, c'est risible, mais ça montre au fond les défauts qu'on a pu remarquer chez Giscard à côté et qui procèdent beaucoup de ça. Donc c'est un défaut ridicule, mais le ridicule est une chose qui existe. Et l'autre élément important, c'est d'avoir créé le romancier comme personnage principal. Avant ça, il a créé une chose qui, dans l'ordre des sentiments qui n'est, à mon avis, pas négligeable. Il a créé une chose qui est la tendresse chez les hommes. Ah oui, c'est vrai. La tendresse la souffrance, chez les hommes. Aussi, l'expression de la souffrance. Non, mais ça, la souffrance, comme tout dans le monde Racine. Tout le monde a toujours souffert dans la littérature, les hommes aussi. Mais la tendresse était réservée aux femmes. Vous ne trouvez pas. Et en particulier dans ce monde velu du président Grévy dont on parlait tout à l'heure, la tendresse chez les hommes, pas question, ça n'existe, on n'y pensait même pas. Vous trouvez éventuellement un peu de tendresse dans Racine, mais ça n'est pas la même chose, c'est du théâtre de cour qui était représenté devant 150 personnes pour le roi. Et d'ailleurs, dans Racine, celui qui est tendre, c'est Néron qui égorge tout le monde après, donc bon. Mais Proust, tout d'un coup, apporte la tendresse aux hommes. On a eu ce droit-là grâce à Proust. Avant, ça n'existait pas. Le narrateur est tendre, Saint-Loup est tendre, par moments Swann est tendre. C'est un élément très, très positif dans la bouche du narrateur. Et c'est passé, maintenant que Proust a gagné et que ce sentiment est possible pour nous, les hommes, ça va. Mais c'était extrêmement nouveau à l'époque. C'était très, très nouveau que tout d'un coup, il nous ait alloué ce sentiment que nous n'avions pas le droit d'éprouver. Et effectivement, comme vous le disiez, la chose peut-être encore plus importante, qu'il a inventé le personnage, le personnage principal d'un roman étant un écrivain. Ça n'a pas été fait avant lui. Et ça, c'est une idée de génie, parce que comme nous savons, La recherche du temps perdu est un roman d'aventure, et qui est l'aventure de la création. C'est ce petit jeune homme qui a du mal à s'endormir au début du livre, qui rêve de devenir écrivain, qui ne le devient pas, qui ne sait pas comment faire. Et la chose très intelligente de Proust, d'ailleurs, c'est qu'on voit bien que durant tout le cours du roman, le narrateur se dit « Je n'ai pas de sujet, je ne sais pas quoi écrire. » Mais évidemment, Proust sait très bien que ce qui compte, c'est la façon d'écrire. Le sujet, on s'en fout, parce qu'au fond, les sujets de Proust, encore une fois, Trois Duchesses, et voilà. Et donc il sait très bien qu'à la fin, le narrateur devient écrivain parce qu'il a trouvé sa forme, il a trouvé une forme et une manière d'écrire. Mais ça n'existait pas. Et d'ailleurs, moi qui suis éditeur, vous le rappeliez tout à l'heure, je peux vous dire que jusqu'à il y a encore très très peu de temps, quand on voyait arriver au comité de lecture de chez Grasset un manuscrit où le personnage principal était un romancier, on s'est... Ça risque d'embêter les gens, ça ne concerne personne. Bon, Proust l'a fait, c'est bien. Et puis à la fin, Proust a gagné très tardivement, là, parce que même maintenant, même les romanciers populaires ont des... Même Joël Dicker et Guillaume Musso ont des... Oui, enfin, en même temps, tout le monde est écrivain désormais aussi. Voilà, donc, c'est vrai. Il y a une phrase dans le journal de Léoto, il y a une phrase enchanteresse, comme ça, il dit « On ne trouve plus de femmes de ménage, elles écrivent toutes. » Ouais. Alors il va falloir qu'on conclue. L'imbécile, c'est de conclure, mais il faut y arriver. On n'a pas parlé de ce qui est important, c'est l'évocation de la forme proustienne. Hein. On aurait pu parler de vous aussi beaucoup, parce qu'en fait le livre, manifestement en creux, comme souvent vos livres d'ailleurs, parle de vous beaucoup, hein, et que le jeu de Proust, c'est aussi le jeu de Charles Danzig, qui s'appelle peut-être Charles. Ah non, vous savez, je pense que la chose peut-être la plus cruciale de La recherche du temps perdu, c'est que c'est une guerre au moins. Et d'ailleurs, moi, plus ça va, plus je fais la guerre en moi. Je trouve que la chose la plus néfaste, nous vivons en ce moment une phase de l'histoire de l'humanité où nous sommes dévorés de narcissisme.
Et vous pensez que Proust ne l'est pas, hein, finalement. Ah, Proust n'est pas narcissique du tout. D'abord, il est romancier, il s'intéresse aux autres. Il n'a pas écrit ses mémoires, il a écrit un roman. Et on vit une période qui périt de narcissisme. Et, enfin, je ne sais pas, on a eu pendant l'empereur du monde, jusqu'à il y a quelques années, était Donald Trump, qui était l'apothéose du narcisse. Doublé d'une apothéose de macho, comme tous les machos, il cogne et après il se plaint, il ne dit en même pas. Mais ce narcissisme, Proust ne l'a pas du tout, et il l'a d'autant moins que ce qu'on apprend de très intéressant dans son livre, c'est que nous ne sommes pas composés d'un seul moi. Le moi dans Proust est divisé. Et ça, le narrateur le dit à plusieurs reprises. Il dit, il y a en moi un moi qui faisait concurrence à un autre moi. Et je pense que Proust a raison. Nous croyons que nous avons un moi parce que nous sommes vaniteux. C'est commode de dire d'ailleurs « je », « moi ». C'est les mots les plus fréquents que nous employons peut-être, parce qu'on pose, et d'ailleurs dans une phrase, on pose « je » quelque chose ou « moi » quelque chose, et quand on est mal élevé, on dit « moi, je ». Mais, et le lexique nous fait penser que nous sommes au centre de tout à cause de ces maudits moi, je et de ces maudits mots je et moi. Il me semble qu'on devrait les supprimer du vocabulaire. Il doit y avoir des langues probablement où les mots, les pronoms je et moi n'existent pas. Eh bien, Proust nous montre ça, cette division du moi. Et c'est pour ça aussi qu'il est un grand romancier, parce qu'un grand romancier est aussi quelqu'un qui se divise pour créer des personnages. Je pense que Proust était tellement plein d'émotions, tellement plein de sentiments, tellement plein d'intelligence, tellement plein de génie, que s'il avait écrit une biographie, une autobiographie ou des mémoires, on ne l'aurait pas cru. Et en fait, il disperse entre divers personnages des éléments de son génie à lui et de ses qualités à lui. Oriane est spirituel parce qu'il est spirituel. Saint-Loup est tendre parce qu'il est tendre. Charlus est un peu grotesque et un homosexuel un peu grotesque parce qu'il sait bien que par moments, il est un homosexuel un peu grotesque. Tout ça, il répartit des morceaux de lui à d'autres. Donc, au fond, la recherche du temps perdu, c'est une guerre au moins et c'est très, très sain dans la période contemporaine. Alors, c'est une belle façon de conclure. Vous avez découvert Proust pendant le septennat de Giscard d'Estaing, ce qui remonte déjà assez loin. Ah non, c'était sous Mitterrand, je pense. Ah non, je pense que c'était en 78, il me semble, non ? Eh oui, vous avez raison. Oui, j'ai bien calculé. Hein. J'ai bien connu le président Coty. Giscard était au bord de perdre des élections qu'il a gagnées. Il vous accompagne depuis cette période-là. Vous avez fait un livre qui est vraiment, enfin, je ne vais pas faire mon flatteur, même si vous devez aimer les flatteries, qui est très différent de ce qu'on entend sur Proust en ce moment, alors qu'on en a entendu beaucoup. Ah non, j'ai horreur des flatteries, parce que je pense que les flatteurs nous prennent pour des imbéciles. Voilà, mais là, en l'occurrence, comment Proust va vous accompagner maintenant ? Vous avez écrit un livre sur lui ? C'est fini, c'est voilà, la rupture. Je ne veux plus en entendre parler. Est-ce que c'est fini ? Est-ce que là, vous êtes obligé de faire le service après-vente d'un livre en vous disant « j'aimerais bien passer à autre chose ». Je le hais, je ne veux plus en entendre parler, c'est fini. Non, je plaisante en disant que je le hais, mais c'est fini. D'une certaine façon, ce livre a fermé quelque chose en moi, parce que d'abord, j'avais aussi... Ça devenait une espèce de... d'addiction, comme je sais pas quoi, comme les obèses bouffent du sucre, quoi. Tous les étés depuis que j'ai 17 ans, enfin d'abord j'ai lu La recherche du temps perdu en entier, en suivant peut-être 8 ou 9 fois. Et dans d'autres langues aussi, en plus. Et dans d'autres langues aussi, pour vérifier. En arabe, malheureusement. Je parle pas l'arabe, mais d'ailleurs... On n'a pas parlé italien, de Proust. En italien, Proust marche bien, et je pense que c'est parce qu'il y a aussi quelque chose d'aquatique dans la langue italienne, et ils ont en particulier des choses que nous, on n'a pas. Ils ont beaucoup de mots très très longs et des adverbes de 4 ou 5 syllabes, je ne sais pas quoi, rumorosamente. Et rumorosamente, c'est tellement pour Proust. C'est-à-dire un mot de 5 syllabes qui est long comme une murène qui passe comme ça. Et non seulement ça, mais tous les étés, depuis l'âge de 17 ans, j'ai l'habitude... d'obèse, dégoûtante au fond, d'emporter avec moi un volume de La recherche du temps perdu que je lis pendant l'été. Parce que moi, je ne méprise pas la littérature et les romans de plage, pour moi, c'est Proust, c'est pas des romans dégoûtants. On méprise la plage au fond. Oh, un roman de plage, lisez-moi cette daube, que le pauvre plage. Et donc, je lisais tous les... Et c'est fini. C'est fini ? Je dis ça, vous savez, et puis comme toujours, comme toutes les addictions, je vais aller le lire en cachette. Vous n'allez pas faire une dépression postpartum. Je vais le lire en cachette. Ça deviendra un vice. Mais en tout cas, merci beaucoup, merci. Charles, pour la réponse à vos questions. Je remercie le public qui a été très attentif, qui nous a même aidés. Voilà. Et qui pourra... Et qui pourra s'entretenir en direct avec Charles Danziger. Merci à vous. Merci beaucoup.